Bonjour Cécile. Bonjour Général. Je suis Général Jean-Jacques Taché, président de la Fondation Maison de la Gendarmerie. Et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, dans ces lieux. Vous allez m'expliquer pourquoi on est là. Ce lieu est symbolique pour les gendarmes. Et notamment le 16 février. Car à cette date, dans toutes les casernes et ici, sont réunis les gendarmes pour commémorer, faire une cérémonie solennelle pour honorer la mémoire de ceux qui sont tombés en service. En 2020, 7 gendarmes sont morts dans le cadre de leur fonction. Donc c'est un hommage. C'est un hommage qu'on leur rend. Un hommage d'une intense émotion à laquelle participent tous les gendarmes, qu'ils soient de l'active, de la réserve, les réservistes, mais également les civils de la communauté de la gendarmerie, pour ce devoir de mémoire que l'on doit. Et ce devoir d'une intense émotion nous amène à prendre conscience du niveau, de la valeur, de l'engagement qu'exige le métier de l'arme. Tous les ans, voilà, retentissent les noms de ceux qui sont tombés en service. Et donc aujourd'hui, exceptionnellement, enfin, comme tous les ans, il y a un événement important. Il y a un événement important, car outre les cérémonies, le directeur de la gendarmerie accueille ici les familles endeuillées. Et puis il y a également un concert qui est donné, dont les bénéfices sont reversés à la Fondation Maison de la Gendarmerie, qui aide les blessés, les veuves et les orphelins. C'est ça, c'est les gendarmes généralement qui font des dons, et là on ouvre les dons justement aux citoyens. C'est exactement ça. En fait, la Fondation Maison de la Gendarmerie, ses seules ressources, ce sont les contributions, tant de la part des gendarmes d'actifs, des retraités, des réservistes et également des civils de la communauté, comme je l'ai cité tout à l'heure. Les ressources à la Fondation ne reposent que sur ces contributions. Après, nous acceptons les dons et les legs, bien entendu, pour mener à bien toute émission d'aide sociale que nous menons. Ce concert est formidable chaque année, donc je suis ravie d'y participer. Vous m'emmenez ? On y va ? On y va. Avec beaucoup de plaisir. Allez, on y va. Donc là, c'est la cour des événements. Voilà, c'est la cour des événements.